Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto. Un petit tuto. Sympa toujours. Comme chaque année, on se fait un daily. N'est-ce pas? On se fait un daily December. Et je vais enlever ça parce que ça me déconcentre. Oups. Chaque année, on se fait un daily December. Donc, je mettrai cette vidéo aussi après la vidéo annonce d'échange du mois, je pense. Et du coup, je me suis fait un peu d'avance et je vous ai préparé un petit tuto qui est, ma foi, je trouve sympatoche. J'entends les chiens courir à toute blinde. Du coup, je vais vous le présenter tout de suite, tout de suite, tout de suite. Le voici, le voilà. Je pense que je vais vous mettre la petite vidéo que j'ai fait pour mettre sur Instagram parce que je trouve elle est bien faite. Et il y a la petite musique de Noël qui va avec, donc j'aime beaucoup. Donc en gros, j'ai fait une structure d'album, hein, puisque c'est un album. Ici, j'ai mis une pochette à rabat pour pouvoir y glisser, vous savez, comme on va l'envoyer. Y glisser les die cuts, bah, tout ce qu'on veut y mettre en fait. Bon, tout ce qui y rentrera parce que je pense que tout ne rentrera pas si on veut mettre des grands trucs. Voilà, ça reste quand même une petite pochette à rabat. Et ensuite, vous avez le daily qui est juste là. Donc j'ai fait ça sous forme d'album avec des petites cachettes. Donc vous voyez, vous avez des petits rabats à tirer, tout ça. Donc j'ai pris le seul truc qui m'est venu à l'esprit, c'était le petit die de chez Scrap Didi. Donc du coup j'ai fait avec ça. Voilà. Donc voilà. Je couperai hein, du coup. Quoi? Je couperai du coup. Allez, go! Je te mettrai sur YouTube, mon gars. Non. Si. Non, non, non. Ah, t'as pas intérêt à faire ça. De toute façon, tu regardes pas, tu sauras même pas. Tout ça pour une petite glace. Oui. Donc. Avec les petits rabats, donc avec le dice de chez Scrap Didi. Et vous aurez vu le détail dans la petite vidéo, mais en gros, on va se faire le tuto ensemble. C'est très simple et en même temps, ça fait son petit effet. Donc, vous allez voir tout ça au fur et à mesure avec moi dans la vidéo. Et pour celui-ci, j'ai utilisé la collection de chez Artemio Woodsy Christmas, je crois. Ou Christmas aussi, c'est la même chose. Donc voilà, avec les petits personnages die cut, j'ai mis un petit ciel étoilé entre guillemets. Pareil ici, j'ai voulu à peu près illustrer tous les petits animaux. Donc ici j'ai mis l'ours. Ici j'ai utilisé les badges. Ils ont fait des superbes badges avec un adhésif dessus. Et là, bah, du coup j'ai illustré un peu tous les animaux. J'ai utilisé une grande page là et du coup je l'ai coupé à la bonne dimension et je trouvais que voilà, ça faisait pas trop mal. Donc j'ai utilisé les die cuts de la collection, sentiments de la collection. J'ai rajouté deux petits cœurs, j'ai rajouté une petite breloque, j'ai rajouté du fil doré, mais c'est du fil dur, c'est du fil en métal. Donc c'est ça, ni plus ni moins. Pour ajouter un peu de texture, n'est-ce pas? Donc j'en ai mis aussi un petit peu là. Et là, du coup, voilà. Sinon, le reste, je n'ai pas décoré. J'ai pas décoré. Je laisserai la personne. La personne le faire. Ça sera surprise. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai pas dit ici parce que je vois que ça se. Hop.
ça se défait, donc ça, ça, hop. Donc la pochette, ici je me suis dit, c'est bien d'avoir une pochette, enfin c'est original du coup, enfin c'est cool, mais si jamais la personne veut l'enlever, ou aime pas, tout simplement, veut l'enlever et récupérer la couverture, du coup j'ai mis, hop, deux petits scratchs, et vous voyez c'est ma page de couverture. Donc à ce moment-là, la personne pourra mettre une, remettre une page de son souhait comme elle veut, soit en uni, soit en motif, c'est la personne choisie. Elle a juste à tirer sur ça, vous voyez, elle tirera sur ça, du coup ça arrachera un peu le papier, mais si elle recouvre, no problemo. Donc elle pourra récupérer la couverture et faire ce qu'elle veut. Et pareil avec la petite pochette, elle pourra récupérer la petite pochette et en faire ce qu'elle veut. Donc voilà, j'ai essayé de penser un peu à tout. Ma foi, je pense que j'ai tout dit. Donc c'est parti, on se la fait ensemble. Et j'espère que ça vous plaira. Et voilà. Et si vous le refaites, n'hésitez pas à me taguer. Sur Instagram, même ailleurs. Je pense que sur YouTube aussi, on peut taguer. Je ne sais plus. Enfin bref, n'hésitez pas. Et puis moi, je repartage derrière. J'aime bien voir quand, quand vous faites des petites créations suite à mes tutos. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'est pas mal. Et je vais mettre sur pause. Il fallait que je fasse encore mes petits... mes petites découpes avec le dies de Scrap Didi, parce que je vais refaire le même. J'aime bien le... J'aime bien. J'hésite à couper le petit végétal qui... Vous savez, là. On a le clip et le petit végétal, là. J'hésite à couper le petit végétal pour l'autre. Je verrai. Je verrai sur le moment. En tous les cas, il faut que j'en découpe 5 et on va faire ça. Je vais faire ça hors caméra. Vous n'avez pas besoin de voir la moulinette. Voilà. Je pense que vous savez. Vous savez. Et je vous reviens et je vous fais la liste du matériel. Sauf si j'ai oublié quelque chose. Ça sera au fur et à mesure du tuto. Vous connaissez la bête. Hein. Allez, à toutes. Je vous dis que je vais vous faire une liste de fournitures et bien sûr, j'oublie. Vous avez l'habitude. Hein. Donc, il vous faudra 14 pages. Ici, moi, c'est du 21-29-7. Et que vous pliez en deux, bien sûr. Et 5 inserts. Donc, j'en ai fait 3 de 11,8 par 15. Et 2 de 11,5 par 15. Voilà, donc bah, je suis en train de les faire, vous voyez exactement comment j'ai fait les inserts, parce que quand j'ai collé mes petits dies là que je suis en train de refaire, je ne les ai pas collés au bon endroit. Voilà, donc j'ai fait ma blonde de A à Z. du coup, ensuite pour la couverture du daily, vous avez besoin de... Moi j'ai pris du carton de céréales. Donc vous allez le voir après. Il ne me semble pas que je donne les mesures non plus. Donc je vous les donne tout de suite. Vous avez besoin de deux cartons de 18,5 par 13,5. Et pour la tranche, vous avez du coup besoin de une cartonnette de 18,5 par 4. Donc voilà. Si toutefois vous décidez de faire vos pages dans du 30-30, le daily que j'ai fait en Artemio, je l'ai fait dans les pages 30-30, pardon, et j'ai pris donc du 18 par 26 pour mes pages. Voilà, c'est la seule petite différence. Après, j'ai plié en deux, et voilà. Mais là, je voulais vraiment faire avec ce kit là, donc c'est de la feuille à 4. Voilà pour les petites précisions. En tous les cas, bah, je vous laisse avec le tuto et je vous souhaite une bonne vidéo et un bon daily aussi. Voilà. Gros bisous.
Les pages, on va les coller les unes aux autres. Donc, on se rappelle que dans un daily, il nous faut 31 pages. Donc, il vous faut suffisamment de côté pour faire la totalité des jours. Donc moi j'ai mis de manière aléatoire hein, les pochettes, les pages, tout ça. Après vous faites comme vous avez envie. C'est totalement malléable, vous faites comme vous voulez. Donc une, deux, là j'ai fait ma première pochette. Ici, on va mettre de la colle que ici, là et là. Comme ça, on peut mettre le premier insert. Hop. Le premier insert viendra juste là. Donc, on met de la colle uniquement. Parce qu'après je m'embête à chercher ça. Bref, donc pochette ici. Hop. Je recolle entièrement. J'essaye d'être droite le plus possible. Donc voilà. Hop. Ici j'ai refait une pochette. Donc je l'ai faite vers le haut. Vers le haut. Ok. Donc du coup on va mettre de la colle uniquement ici, ici et là. Alors attendez, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vérifie mes pages. C'est censé être comme ça. Ok, donc je colle à nouveau une page. De nouveau une page.
ici, je fais une pochette sur le côté, donc comme ceci. Donc, petit post-it. Et je mets de la colle en haut, en bas et à droite. C'est aléatoire, vous faites comme vous avez envie. Si vous voulez pochette sur pochette sur pochette, faites comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Si vous faites plus de pochettes, du coup, il faudra faire peut-être moins de pages aussi, de planches. Moins de pages pour... À moins que vous voulez mettre plus de pages, ça, c'est vous qui voyez encore une fois. Hop, alors, du coup, après, j'ai fait une pochette vers le haut. Donc, pop, vers le haut. Donc, je mets de la colle sur le côté. Ensuite, une page. Donc, une page. J'ai remis une deuxième. Ensuite, du coup, j'ai fait une pochette sur le côté et après, comme ensemble. Donc, sur le côté. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeer to fall. Stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door. Voilà, donc là en gros, on a tous nos pochettes. La structure est faite en gros. While Santa's busy staying
Donc, vous voyez, votre structure est faite. Donc, la structure est faite, ok. Donc maintenant, on va s'occuper de notre couverture. On va laisser ça. Donc la couverture, j'avais fait là la tranche, ici un premier côté et ici un second côté. Alors j'ai toujours pris les petits papiers du Paper Craft 7, mais c'est du A5, on est d'accord. Donc c'est Eric Reich. Donc j'aurais utilisé un papier pour l'extérieur et un autre pour l'intérieur. Donc on va tester, hein. Pour l'autre j'avais des pages 30-30, donc ça allait nickel, mais pour ici du coup c'est autrement. Donc vous voyez, ça va me donner ça. Faut pas que je me trompe. Ça va donner ça. Et du coup, à l'intérieur, il faudrait que je gère pour mettre. Pour mettre un beau motif. Vous voyez. Et puis, j'essaie de bien accorder pour que ça fasse pas bébé. Donc, il me faut des mesures exactes. Ça, à la limite. Vous voyez avec quel papier vous faites, mais si vous faites avec les mêmes choses que moi, prenez vos mesures vous-même. Vous savez, vous aimez bien, je sais pas moi, de mater un petit peu, mater beaucoup, enfin, vous voyez. Donc moi j'ai 18,4.
Donc ici, du coup, on va se laisser, on va dire 0,5. Oh, ça chouine. Mais tu sais, maman, elle est en train de faire une vidéo. Oui, t'es bloqué. Oui, tout à fait. Tu peux baisser un peu le son? J'ai demandé à Elise de jouer à ce que moi je joue à l'obéir. Ah bah, elle est pas obligée de jouer au même jeu que toi. Donc vous prenez votre couverture, le devant, le derrière, et j'ai fait une petite marque à 0,5 ici, et en fait je vais juste apposer comme ça et comme ça, vous voyez, mes deux couvertures, comme ça j'ai ma reliure. Ici, si vous vous souvenez bien, j'ai gardé un morceau de papier que je vais installer, je vais juste rabattre ce côté-ci et ce côté-là pour être bien au taquet ici. En même temps, parce que j'ai pas fait comme ça pour là. Pour celui-ci, j'ai rabattu mes. Je vais faire pareil, je crois. J'ai rabattu tout autour pour avoir mon côté propre. Et ensuite, ça, à ce moment-là, ce serait ma reliure. Également ici, parce que je ne l'ai pas acheté quand même une fois, donc forcément ça m'arrange bien, n'est-ce pas? Donc je le prends ici, je remets ça de côté, hop. Et comme j'ai un papier en entier là, celui-là à ce moment-là c'est pas grave, je peux laisser comme ça et repasser avec un comme ça à l'intérieur, et ça fera propre malgré tout. On va faire comme ça. Donc compliqué, hein, mais on va y arriver. Ça a décidé d'arrêter de filmer, mais en gros, du coup, j'ai placé ma couverture. Voilà, j'ai rabattu ici ma rouflée. Je vais faire la même chose de l'autre côté, du coup.
Donc à l'intérieur, on va prendre les mesures et on va remettre un papier comme ça pour faire une tranche propre aussi à l'intérieur. Prenez vos mesures, hein, parce que ça peut être aléatoire d'une personne à une autre. J'espère, j'ai peur que ça coupe encore. Donc ici j'ai à peu près 7,5. Sur 18,5. Donc, fait, structure faite. Donc, maintenant, on va venir coller à notre couverture. Donc, ça va donner à peu près ceci. Et hop, par la suite, du coup, soit vous décidez de laisser ainsi, mais nous, on va faire la petite pochette comme ici. Donc, on va la faire là. Ensuite, vous pouvez décider de mettre des coins si vous voulez mettre des coins. Moi, mes coins sont relativement propres, donc j'aime laisser un peu brut de décoffrage. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Je vais juste faire ma pochette. Par contre, il me faudra du 30-30 pour là. Donc, on va regarder ensemble. On va déjà coller notre album à notre structure. Et je vais prendre le bloc troll là, le petit comme ça, que j'ai trouvé chez Action pareil. Et on va se trouver une feuille sympatoche. On fait comme ça. Je vais reprendre les mesures sur celle-ci. Et ici 7 et 23 et demi. Donc 7 et 23 et demi. On n'a plus qu'à couper. Couper. Donc ma foi, si vous savez pas comment faire la pochette, il y a le tuto qui est sur ma chaîne, vous allez voir, c'est très simple. Donc du coup j'ai continué sans vous. J'ai mis des scratchs pour faire simple. J'ai pas de badge dans ces couleurs là, donc du coup j'ai mis des scratchs comme
si vous allez voir le tuto, comme dans le tuto. Voilà. Donc ça, j'ai mis deux scratchs à l'arrière pour faire comme dans l'autre. Si la personne veut enlever et remettre par la suite, elle fait comme elle veut. Donc je vous disais avant que ça coupe que vous avez la base du tuto. Hop. Vous avez la base, il ne manque plus que la déco quoi. En gros, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser le Daily December. Et il donne ça pour ma part. Du coup, j'ai plus que la déco à faire. Je vais me servir de ce que j'ai dans le Papercraft set. Enfin, je vais essayer au maximum. Et j'essaierai de... Là, je ne sais pas si en filmant la déco, ça ne va pas couper encore une fois. J'ai plus de place dans mon téléphone. Donc voilà. Mais sinon, je vous mettrai une petite vidéo à la fin de ce qu'il donne. Et puis, je vous montrerai tout ça. Donc, je vais faire la déco de ma couverture. Je vais faire la petite déco de la pochette. Et je ne sais pas si je fais une petite déco là, mais je verrai. En tout cas, je vous mettrai une petite vidéo du résultat. Comme ça, vous ne loupez rien et vous aurez tout vu. En tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et ben, n'hésitez pas à me taguer si vous le reproduisez. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.